Amen. Yo, 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 mes frères, salam alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, je fais très bien Bonesi, ouais. Non, sans déguis. Yo tout le monde, c'est Jargos. Alors, aujourd'hui, nouveau gameplay de, j'allais dire The Witcher, mais non, c'est pas Witcher. C'est NFS Carbon. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des nouveautés, mais attendez, vous allez venir. Ouais, Jargos, t'avais dit qu'il y aurait des nouveautés. Du Spider-Man Remastered, du Spider-Man Miles Morales. Je t'explique, mon frère. Si je parle comme ça maintenant. Non, déconnez, c'était une blague. Non, je t'explique. Bientôt, c'est mon anniversaire. Bon maintenant, vu que j'ai 23 ans bientôt, on a pu donner des petits joujoux pour enfants, tu vois, genre. Ah bah tiens, je t'ai ramené une petite voiture, ah bah tiens, je t'ai ramené un doudou. Non. Quand on est grand, nos cadeaux d'anniversaire sont généralement de l'argent. Voilà. Voilà. Donc voilà. Je vais économiser pour m'acheter une. J'ai même précisé le une. Voilà, ouais. Tout comme, une nouvelle carte graphique, une RTX 3060. On appelle ça. Une 3060, comme tu veux. Ça revient au même. Une Nvidia GeForce RTX 3060. Apparemment, d'après Nicolas, ça pourrait me permettre de faire tourner les nouveaux jeux. Parce que j'ai dit, je te fais la scène. Alors attends, deux secondes. Je te fais la scène. Excusez-moi, monsieur, c'est pour info. Oui, monsieur. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme carte graphique pour faire tourner les nouveautés. Eh ben, il vous faudra une RTX 3060, monsieur. Ok, ça marche, merci, au revoir. Pip. Voilà, du coup, voilà. Bref, voilà. Voilà. Best imitation ever. Ah oh, gros, je te jure là. Bref. Non, ça, je pète le feu. Bon, voilà. À mon anniversaire, je devrais installer une 3060 RTX dans ma tour. Si il y a les moyens de la placer dans la tour. Parce qu'apparemment, quand on sort une carte graphique, et bah apparemment, faut changer et le processeur, et la carte mère, et nanana, et nanani. Donc, on verra. Je t'en dis ça quand ce sera mon anniversaire. Mais normalement, c'est faisable. Je fais confiance à Nicolas, j'y fais confiance. Voilà. Parce que Nicolas, c'est quand même un très très bon magasin. Beaucoup de critiques, ouais, mais Nicolas, c'est un peu de la merde. Une fois, il a fait des connes sur ma tour. Non, attends, je te coupe, mec. Je t'explique pourquoi, en fait, il a fait des connes sur ma tour. Un, deux, ok, ça marche. Ça s'appelle tout simplement et radicalement, logiquement, une erreur. Certes, ils ont donné un stagiaire, c'est une erreur qu'ils ont fait. Ils ont compris la chose. Ils ne referont plus. Voilà. Bon. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu de problème avec Nicolas. J'ai jamais eu de problème. Enfin. Mis à part que. Enfin, c'est pas de la faute de Nicolas. C'est. C'est des fois des mises à jour qui font bugger ton PC, qui font planter ton PC, qui veut plus s'allumer. Voilà. C'est des erreurs que n'importe quel PC peut arriver. Même Tour Gamer, c'est une Tour Gamer i7, i8, i9, i10, peu importe, voilà.
Je sais même pas si on ça existe. Je sais même pas si ça existe jusqu'à. Attends. Je sais même pas si ça existe jusqu'à I10, on va y arriver. voilà, donc en gros, voilà. Même si c'est une I7 ou une I8, voilà. Ça peut arriver à n'importe quel tour, un défaut de mise à jour, voilà. Et du coup, mon ordi a crashé. Il a planté. J'ai payé 50 boules pour l'appareil. Et Nicolas, j'ai envie de dire. Amen. Les données étaient restées intactes dans ma tour. Vidéo, musique, etc. Voilà. Pour ça, critiquez pas Nicolas, le pauvre. Il a fait une erreur que beaucoup de gens font. Voilà. Toi, tu fais des erreurs. Moi, je fais des erreurs. Nicolas fait des erreurs. Même MSI font des erreurs. Voilà. Faut pas en vouloir. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Faut pas en vouloir. Hein. C'est comme toi et moi, on est humain. Et l'humain fait des erreurs. C'est comme ça. Bon, autre raison de pourquoi j'ai pas fait de gameplay cet après-midi. En fait, si tu veux, cet après-midi, j'étais avec mon beau-frère. Je sais plus où déjà. Chez ma grand-mère. Récupérer son paquet de clopes. Ensuite on a bougé, j'ai vu ma titine, mon chat, moi, tu vois. Va voir mon Insta, il y a des photos de mon chat et moi, t'inquiète pas. Voilà, il y a deux chats, une tigrée et une blanche. La blanche c'est la mienne. Du coup voilà. On était chez ma grand-mère. Ensuite on était au service jeunesse. Je suis reparti avec lui. Il a été chercher ma soeur à l'école. Il est revenu. Bon voilà. Et demain, je cherche mon oncle. Donc demain, il y aura peut-être un gameplay en peut-être en début d'après-midi. C'est pas sûr. Du coup, à surprise, j'ai les guillemets. Les guillemets. Pourquoi je fais parenthèse? Les guillemets, c'est pas sûr. C'est si j'ai le temps. Parce que rituel du samedi, le café au bar. Du coup, voilà. C'est comme les sorciers. C'est en mode ça, tu vois. C'est un sort. C'est comme les sorciers qui prononcent incantation. Ça voulait rien dire. Et à moi, tu vois, c'est mon rituel. Le café du samedi. Donc, je vais en prendre un jeudi, mais j'avais plus de sous. Voilà. Faire taper sur les doigts, moi j'avais dit jeudi et samedi. Reste un menteur. Non, c'est faux, j'avais plus de sous. Du coup, voilà. Bref, on va démarrer le gameplay. On va démarrer le gameplay. Voilà. On va juste enlever ma sale gueule. Et on va démarrer. Alors, j'ai remarqué sur. sur Twitch. N'hésitez pas à zoomer si vous trouvez que, l'écran est... que votre écran est trop petit. Et moi le con, juste que je suis en boulet total, j'ai carrément oublié de recharger. Ma tablette est en train de charger là. Ça fait que je vais devoir streamer avec mon téléphone. Alors. Yo, The Darker Twitch. Oui, j'ai accès de pas chier, voilà. Non, cri. Et je suis en live normalement. Oui, live. Amen. Amen. Laissez-moi juste voir. Attends, on va faire autrement. On va carrément les dents rechercher. Jeu Dark Switch. Ah, je suis en live. Et là, normalement, j'ai les commentaires. Voilà. Parfait. Alors, moi, je vais voir mon thé que j'ai pas vu depuis des lustres. Il date de cet après-midi. Ah oui, il s'explique. En fait, tu vois, c'est une histoire de merde. C'est une histoire de merde. Mais c'est pour mon bien, apparemment. Mon grand-père me l'avait dit, voilà, c'est... Donc quand j'ai une maladie,
que je comprends pas si les gens sont contre moi ou si les gens sont pas contre moi. Du coup, voilà, pas une fausse maladie. Et du coup, je crois toujours que tout le monde est contre moi. Voilà. Du coup, ma mère m'a dit, Joe, faut que tu fasses une série de codes. J'ai dit, maman, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Elle me dit, on s'est pris la tête, voilà. Et du coup, elle a dit, autant je te désinscrive du code, vu que tu fais jamais de série. En même temps, c'était pas dramatique. J'ai juste raté une semaine de série. C'est pas dramatique, mais bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, j'ai appelé mon grand-père. J'ai des trucs de ma mère que je devais pas dire. Du coup, voilà. Oh, canon, ma gueule. Oh non, voilà. Il m'a dit oui, en pépère, tu sais. Tu sais, si c'est pareil pour tout le monde, quand on a passé le permis, on en a bavé, c'était chiant, nanana et tout, voilà. Mais malgré ça, faut que tu persistes et que tu fasses beaucoup de séries, surtout sur ton téléphone. En plus, ça t'a pas déplacé, t'as ton appli sur ton téléphone, voilà. Et après, bah, plus t'en feras, plus tu t'amélioreras et t'auras ton code et tu pourras passer à la conduite, voilà. Alors écoutez-moi les amis, c'est mon grand-père qui m'a raisonné. C'est mon grand-père qui m'a raisonné de faire une série parce que moi je croyais que c'était parce qu'elle était machue ma mère. Du coup voilà, qu'elle voulait absolument faire une série simplement parce qu'elle voulait que j'en fasse tous les jours. Non, et bah en fait c'est pour mon bien parce qu'en fait mon grand-père lui aussi a des problèmes d'apprentissage comme moi. Voilà. Et du coup voilà. Ça fait que lui aussi, à mon avis, a dû galérer pour le code. Qui a des problèmes d'apprentissage, des problèmes pour apprendre le code. Et ma mère, c'est totalement l'inverse. A pas du tout de problème d'apprentissage. Alors, soit tient ma grand-mère. La grand-mère du côté de ma mère, je précise. Soit alors. Comment dire. C'est juste. Que son cerveau est hyper développé. Trop développé même. Parce que. En gros, tu veux. Je t'explique le principe. T'explique le principe. Ma mère a lu une fois le livre, la leçon quoi, peu importe, et elle retient. Genre tu vois, nanana, et était une fois, nanana, machin, nanana, nanana, a lu une fois tout ça, et elle retient. Alors, t'imagines bien qu'avec ma mémoire de poisson rouge et mes problèmes d'apprentissage que je l'envie des fois. Du coup voilà. Voilà. D'ailleurs pour ça que j'ai arrêté l'école, que j'étais mis au travail, bah comme mon grand-père quoi. Comme mon grand-père. Et malheureusement c'est comme ça, mais. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je préfère travailler. Et aussi par rapport à mes problèmes de comportement, des problèmes avec les profs, tout blablabla, etc. Voilà. Je voulais faire quoi déjà? 6,49. Du coup, 300. D'accord. Désolé. Non, je suis en train de me. On va y installer quelques petits trucs à la bagnole. Ça va se faire plaisir. Attends, c'est quoi ça? Roméo. Roméo et Juliette? Rien à voir. Rien à voir. Roméo et Juliette. Et là, il y a. Machine Gun Kelly, ma gueule. J'arrête. Et là, t'as Heartbreaker. Alors, pour ça, j'ai pas de blague. Lover. Lover Bacon. Et Lamborghini,
j'ai une blague qui rime avec Lamborghini. C'est pas Nini. Ah, le V12. Ah oui. Ah oui, bah, c'est plus qu'un V12 apparemment, à mon avis. Hein. Bestly. Bestly. Bessincon. Bon, mes blagues sont à chier, j'arrête. Mes blagues sont à chier. Mes blagues sont à chier. Bon, on va aller dans motif. Et on va aller dans. Tiens, dans ça, voilà. Cache exploration. Ah, d'accord. Apparemment, il y a besoin de cache. Cache en course. Ouais, on va le garder. On le vire. On le vire. On va en installer un bien plus puissant et bien plus barricadé, ma gueule. Désolé. Attends, deux secondes. Hop. Bon, voilà. Bon. Cache en course. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, on va redescendre à fond. Ah! 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 D'accord. Bon, on va juste voir si on a assez. On va pas faire plus. Ah, du coup, voilà. Concession. Acheter voiture. Ah. Attends. Aston Martin. Aston Martin, bon. D'accord. Y'a pas moins cher? La Vulcan, non, trop cher celle-là. DBS volante. Bon. Coûte un bras, mais on va la récupérer facilement. Du coup, voilà. Acheter. Voilà! Du coup, maintenant, on va pouvoir faire Attends, j'ai envie de voir. Profil. Afficher tous les emplacements, chasse au trésor, d'accord. Non, non. Ah, bien sûr. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah ouais, c'est bénéfique quand même, hein. C'est bénéfique, hein. C'est bénéfique, c'est bénéfique. Une droite, une toute droite. Au moins, on aura notre petite voiture de chasse au trésor quotidienne. Tac, 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 tac. Demi-tour. Attends, déjà, tac. Après, voilà. Demi-tour, encore une fois. Ah, du coup, bon, voilà. Alors oui, alors ce que je vous conseille, si vous voulez absolument gagner beaucoup de cash, c'est de faire des évasions par équipe avec des vrais joueurs, bien sûr. Parce que après, bah, marrant.
D'accord. Je continue tout droit, je rush et je tourne. Non, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Bon, par contre, ça casse un peu les couilles. Encore là. Et après, je retourne comme ça. Bon. Je vous avoue quand même que c'est un peu de la triche. Mais j'ai quand même dépensé 700 000 balles dans cette caisse. Hein. Attention. Hein. C'est un peu de la triche, mais non aussi. Parce que quand même... C'est mal au portefeuille. Hein. Je pensais avec une voix terrorisée, pétrifiée, ce que tu veux. Ah donc... 9! Amen! Il va nous dire, ça sera du coup. Mi. Vous allez me dire, ouais, tricheur, tu arrêtes! Ça doit être un problème.